Bonjour à toutes et à tous, et nous voici réunis pour un nouveau tutoriel que nous allons consacrer à un petit problème, enfin un problème important que vous pouvez rencontrer dans le pilotage, notamment si vous débutez et que vous utilisez couramment des petits appareils d'aviation générale. Alors ce problème, alors ici pour l'illustrer, je vous ai mis en seuil de piste un petit appareil qui est un Piper 140 Cherokee. Alors vous savez que d'habitude je vous montre toujours le Cessna ou le Baron, enfin des appareils qui habituellement sont les appareils qui sont fournis avec X-Plane par défaut, et là c'est un appareil payant que j'ai choisi pour illustrer mon propos, parce que je n'ai pas trouvé vraiment d'appareil fourni par la Minard qui me convenait. Donc j'ai pris cet appareil là exceptionnellement. Alors je sais que tout le monde évidemment ne le possède pas, c'est un appareil, c'est un petit appareil ici, vous voyez, c'est un petit monomoteur à piston avec une hélice à calage fixe. Il est dans la même catégorie que le Cessna 172, c'est le type d'appareil que j'aime bien parce qu'il est simple, il est rustique. Voilà. Il est proposé par VFlightAir, qui est spécialisé, je dirais, dans ce type d'appareil. Ils fournissent une flotte, ils proposent une flotte d'appareils de ce type-là qui est pas mal fichu. En général, ils ont de bons produits et j'aime bien. Alors, vous voyez, c'est vraiment très très simple, mais il a tout ce qu'il faut. Moi, ça me suffit largement. Je n'en demande pas plus. Voilà. Et surtout, il a une fonction qui va nous intéresser et qui est absente du Cessna. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas utilisé le Cessna. Voilà. Alors le problème, on va mettre ça en pause. Le problème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le givrage du carburateur. Alors il peut arriver, quand vous êtes comme ça sous X-Plane, avec certains appareils, que vous ayez un petit bandeau qui s'affiche d'un coup, ici, un petit bandeau d'avertissement, qui vous disent attention, givrage du carburateur suspecté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avec le Cessna, vous ne l'aurez jamais. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais avec un appareil, par exemple, comme celui-là, ça peut tout à fait se produire. Et dans ce cas, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que votre carburateur, à la place de ressembler à ceci, ça ressemble à cela. Et ça, dans un moteur, c'est pas normal. Alors évidemment, on va être un petit peu plus clair sur toutes ces questions. Alors, le givrage carburateur, on va reprendre quelques petites bases de mécanique, quelques petits rappels très simples. Les moteurs d'avion que vous rencontrerez dans l'aviation générale, donc avec des petits appareils comme le Piper ici, Cherokee, ou comme d'autres, le Cessna, etc. Enfin, il y a beaucoup de petits appareils comme ça, que vous pouvez retrouver sur les terrains, les aéroclubs. Tous ces petits appareils sont basés sur le principe du moteur à 4 temps, comme sur un moteur de voiture, mais les moteurs sont adaptés bien sûr aux besoins de l'aviation, mais c'est le même principe. Alors, je vous rappelle ici, vous avez un cylindre avec un piston. Le premier temps, c'est l'admission, donc le piston descend. Vous avez une soupape d'admission ici qui s'ouvre et qui laisse rentrer un mélange avec de l'air et du carburant. Vous avez un deuxième temps de compression ici où les soupapes sont fermées. Le piston remonte et vient comprimer le mélange ici dans le haut de la chambre, dans le haut du cylindre. Et ensuite, vous avez ici un système de bougie qui fait une étincelle et qui va enflammer le mélange. Le mélange va s'enflammer progressivement et ça va provoquer, donc c'est la combustion, et ça va provoquer la détente de ce mélange. Et donc ça va propulser ici le piston vers le bas. Un système ici de transmission permet de transformer ce mouvement de va-et-vient, qui est un mouvement linéaire, en un mouvement rotatif qui va être transmis à un arbre, qui après fait tourner une hélice, une roue sur une voiture, une hélice sur un avion. Voilà. Vous avez un dernier temps ici où le piston va remonter et la soupape ici d'échappement va s'ouvrir pour permettre au gaz brûlé de s'échapper, et ensuite on revient ici sur notre premier temps d'admission et ça tourne en boucle. Voilà. Un moteur d'avion, ça fonctionne comme un moteur de voiture de ce point de vue-là. On va s'intéresser plus particulièrement au carburateur qui n'était pas représenté ici, qui se situe en amont. Le carburateur, c'est un organe mécanique qui est situé entre le filtre à air, entre une prise d'air avec un filtre,
et la chambre de combustion qui est donc ici. Le carburateur, ça va permettre de préparer un mélange d'air et carburant qui est destiné à être admis dans le cylindre et à être ensuite enflammé. Et c'est ça qui va bien sûr provoquer, qui va fournir l'énergie mécanique du moteur. Alors je vous ai trouvé ici sur Wikipédia, hein, j'ai mis ma référence, un schéma de carburateur qui doit être à mon avis plutôt un carburateur de voiture, hein, mais c'est un schéma de principe. Donc j'ai pas vraiment trouvé un carburateur d'avion, mais ça posera pas vraiment de problème pour mon explication, hein, globalement, comment est-ce que ça fonctionne. Eh bien, vous avez ici une petite cuve avec un flotteur. Cette cuve, elle est alimentée en carburant. Que ce soit de l'essence, du kérosène, peu importe, hein, c'est du carburant. Et vous avez ici un système de flotteur avec un pointeau qui permet de réguler ici le niveau. Hein. Donc quand le niveau de carburant monte, le flotteur monte et le pointeau ici interrompt l'arrivée d'essence. Quand le niveau baisse, le flotteur et le pointeau vont descendre et donc ça libère ici hein, cette arrivée d'essence et donc le carburant va à nouveau remplir cette cuve. Ça permet d'avoir ici un niveau à peu près constant et d'alimenter le carburateur en carburant de manière continue, sans interruption, ce qui provoquerait sinon un calage moteur. Vous avez ici une petite buse, hein, un gicleur, qui va communiquer ici avec le corps du carburateur. En haut ici, vous avez un filtre à air avec une entrée d'air. Donc l'air qui rentre ici est filtré pour être débarrassé de ses impuretés hein, éventuellement. Et donc, il s'engouffre ici. Vous avez ici un rétrécissement dans le corps du carburateur qu'on appelle un venturi. Alors ça, c'est très important. Et on va dire deux mots sur l'effet Venturi, justement. Alors l'effet Venturi, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez ici un tuyau, hein, si vous voulez, vous avez un fluide, que ce soit un gaz ou un liquide qui s'écoule dans un tuyau à une certaine vitesse, si vous avez un rétrécissement ici de ce tuyau, un étranglement, c'est une loi physique, hein, ça va provoquer ici une accélération du fluide, le fluide va s'écouler plus rapidement au niveau de l'étranglement, et ça va entraîner également localement ici une baisse de pression. C'est ce qui va se passer ici avec cet étranglement dans le carburateur. Ça va provoquer une augmentation ici de la vitesse de l'air qui s'écoule, et ça va provoquer une dépression à ce niveau-là. Donc ici, en aval hein, du papillon des gaz. Cette dépression, ça va entraîner par une sorte d'aspiration, de succion qui va aspirer le carburant de la cuve ici au travers du gicleur et ça va donc pulvériser hein, ici, ça va provoquer un aérosol, ça va pulvériser en micro-gouttelettes, hein, ça va faire une espèce de petit brouillard si vous voulez, hein, une petite brume de carburant et le mélanger à l'air de manière homogène. Cette étape elle est absolument indispensable pour pouvoir ici dans notre chambre hein, injecter un mélange d'air et d'essence vaporisé qui puisse être facilement brûlé. Hein, parce que si vous balancez l'essence à la louche comme ça, hein, comme un gros bourrin dans le cylindre, on n'aura pas une bonne combustion. La combustion va être incomplète, ça ne va pas bien se passer, donc il faut absolument hein, que vous ayez cette espèce de nébulisation, hein, d'aérosolisation de votre carburant mélangé à l'air. Ça c'est vraiment indispensable et ça c'est le travail du carburateur. Le carburateur également permet d'avoir de régler hein, par l'intermédiaire de la manette de mélange la richesse, hein, donc d'avoir un mélange carburant air hein, en proportion idéale pour aussi avoir un moteur qui fonctionne dans de bonnes conditions. Le papillon des gaz ici, ça va être réglé sur une voiture, ça va être commandé sur une voiture par l'accélérateur, sur un avion par la manette des gaz. Voilà. Le volet de starter ici, je ne pense pas que ça soit présent sur les avions, mais c'était présent sur les véhicules qui étaient équipés de carburateurs. Ça servait, quand le moteur était froid, à faire fonctionner le moteur correctement. Parce que quand le moteur est froid, en fait, hein, l'essence qui arrive ici, enfin le carburant, a du mal à se vaporiser, il a tendance à condenser, à se déposer ici sur les parois du carburateur, hein, des différentes tubulures. Et donc on a un mélange qui est un peu appauvri. Hein. Ça contribue à appauvrir le mélange et votre moteur ne tourne pas bien. Il ne tourne pas rond.
Des gens qui ont conduit, qui sont peut-être un petit peu plus âgés, qui ont conduit hein, ce type de voiture, bah, savaient que le starter, on le tirait, c'était une espèce de petite tirette qui était située généralement à côté du volant, enfin bon, un petit endroit un petit peu caché, hein, et on tirait ça pour démarrer, et quand le moteur était froid. Puis ensuite, on le réduisait progressivement au fur et à mesure de la montée en température du moteur. Et après, bien sûr, quand le moteur est chaud, le starter était coupé. Ça permet ici de diminuer l'arrivée d'air. Alors là, ici, vous voyez le starter, avec un volet de starter mis comme ça, le starter est coupé. Quand vous le tirez, votre volet ici il va basculer, hein, il va se mettre un petit peu en travers, et il va diminuer l'arrivée d'air. Ce qui revient en fait à enrichir le mélange en carburant. Hein, si vous diminuez la proportion d'air, ça revient à avoir plus de carburant en proportion dans votre mélange, et donc ça permet au moteur de mieux tourner, hein, quand il est froid. Enfin, donc ça a vraiment un intérêt quand le moteur est froid. Donc à l'accélération, enfin au démarrage et lors des premiers kilomètres. Le givrage proprement dit, en quoi est-ce que ça consiste? Alors c'est très courant en aviation générale, hein, sur des petits appareils comme ça, à piston, c'est un phénomène qui est tout à fait connu hein, des pilotes et des mécaniciens. Et ça peut se produire sur tout moteur qui est équipé d'un carburateur. Alors, il faut savoir que ça ne concerne pas que l'aviation. Hein. Les voitures qui étaient équipées de carburateurs, il pouvait y avoir du givrage. D'ailleurs, il y avait sur le filtre à air, hein, sur les vieux véhicules, il y avait une position été-hiver hein, qui permettait de faire rentrer de l'air chaud. Hein. Voilà, on pouvait, suivant l'été ou l'hiver, il y avait un réglage à faire. Ça peut arriver sur un moteur de tondeuse à gazon. Les gens qui font du modélisme, je pense, qui ont des moteurs comme ça avec un carburateur, je pense que le problème se pose aussi. Hein. Dès que vous avez un carburateur, tout carburateur est susceptible de givrer à un moment donné. Alors, les avions qui ne sont pas équipés de carburateur ne sont normalement pas concernés par ce problème. Alors, il s'agit bien sûr des turbopropulsés, pas de carburateur, des moteurs à réaction, hein, les réacteurs, il n'y a pas de, évidemment pas de carburateur, les moteurs à injection, encore que sur les moteurs à injection, il puisse y avoir parfois des problèmes de givrage, c'est rare, mais ça peut arriver quand même, apparemment. Et j'ai mis, mais vous allez me dire c'était facile, j'ai rajouté les planeurs, voilà, bon, c'est un clin d'œil pour nos collègues qui font du planeur, évidemment, pas de moteur sur les planeurs, donc pas de problème de givrage de carburateur, hein, voilà. Mais donc tous les petits appareils, hein, tous les petits avions qui sont équipés d'un moteur à piston avec un carburateur peuvent présenter ce phénomène. On n'est jamais à l'abri. Le givrage du carburateur, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un phénomène qui est extrêmement dangereux. Hein, il s'agit de l'accumulation de givre dans le carburateur qui va conduire à évidemment diminuer les performances moteurs, hein, et ça peut aller jusqu'à l'obstruction totale hein, de l'arrivée de mélange, hein, des conduites d'admission, et donc au calage du moteur. Y compris bien sûr, et c'est l'accès le plus amusant, en vol. Hein. Donc là, ça rigole pas, et ça ne repart pas. Là, vous allez au sol. Maintenant, vous allez peut-être vous dire que dans ma vie, je n'ai pas dû voir beaucoup de moteurs fonctionner. Parce que la particularité d'un moteur à combustion interne, hein, ça s'appelle comme ça, c'est de faire de la chaleur, et beaucoup de chaleur, et tellement de chaleur qu'on est même obligé d'avoir un système de refroidissement. Donc, imaginez que de la glace puisse s'accumuler quand même dans une partie du moteur, c'est très peu probable. Et pourtant, ça se passe, je vous assure. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce phénomène, pour les débutants ou les gens qui connaissent pas trop, qui s'y connaissent pas trop en mécanique, mais pourtant, si. Alors, on va voir comment c'est possible, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu inhabituel ou un peu incroyable. Bah, en fait, ça vient du fonctionnement même hein, du carburateur. Et ça, c'est un fait incontournable. C'est comme ça, c'est vraiment peut-être la base du problème d'ailleurs. Hein. La conception, hein, le mode de fonctionnement du carburateur font que le givrage peut se produire quoi qu'il arrive. La deuxième condition, hein, ce sont les conditions environnementales, météorologiques, hein, qui peuvent favoriser ou non hein, d'ailleurs le givrage. Le troisième paramètre, c'est l'utilisation du moteur à certaines plages de régime. On va détailler tout ça. Hein, mais ce sont ces trois paramètres qui vont se combiner. Alors le premier, il est incontournable, hein, le carburateur est conçu comme ça, hein, on n'y peut rien. Et les autres, bah, ce sont des paramètres qui sont variables, hein, ça dépendra des situations dans lesquelles vous vous trouverez, et il faudra donc estimer, hein, c'est au pilote d'estimer les situations.
Alors justement, le carburateur. Pourquoi est-ce qu'il y a du froid dans le carburateur? Bah parce que en fait, l'air dans le carburateur va se détendre au niveau du papillon des gaz. Et ça va entraîner un refroidissement et de la condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air. Évidemment, hein, pour qu'il y ait du givre qui se forme dans les conduits d'admission, il faut qu'il y ait de l'eau quelque part. S'il y a de la glace, il faut qu'il y ait de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de glace. Ça, c'est fondamental. Alors, d'où vient l'eau? Évidemment, pas du carburant. Elle vient, bien entendu, de l'air qui contient de l'eau sous forme de vapeur. Et là, l'air peut être plus ou moins chargé en humidité suivant les conditions météorologiques. La deuxième chose, c'est que vous avez, on l'a vu au travers du gicleur, hein, le mélange, enfin l'essence est vaporisée, ou le carburant est vaporisé finement. Et bien cette vaporisation. Alors la première chose ici, hein, le principe d'un gaz qui se détend et qui se refroidit, c'est le principe du réfrigérateur. Hein. On comprime un fluide, on le détend, ça fait du froid. En météo aussi, on a ça. Hein, de l'air qui monte, hein, il se détend, la pression étant moins élevée. Un gaz qui se détend, ça fait du froid. C'est pour ça que quand vous montez, hein, il fait plus froid en haut. La vaporisation du carburant au niveau du gicleur, par effet Venturi, hein, ça entraîne également un effet réfrigérant. C'est la même sensation que vous avez si vous mettez sur la main, vous mettez un peu d'eau ou de l'éther ou de l'alcool, hein, un fluide quelconque qui va s'évaporer, vous soufflez, ça fait très froid, hein, ça fait un effet de froid, c'est parce que ça s'évapore. Quand vous vaporisez comme ça, hein, un fluide, un liquide, ça fait du froid. Ça a un effet réfrigérant. Donc ça fait baisser la température à l'intérieur du carburateur. Ces deux phénomènes, ils peuvent entraîner en moyenne une baisse de 10 à 15 degrés. C'est-à-dire que si vous avez de l'air qui rentre à 20 degrés, de l'extérieur, hein, l'air est à 20 degrés, quand il va se retrouver dans le carburateur, il va se retrouver, bah, il va perdre 10 à 15 degrés, il va donc se retrouver autour de 10, entre 10 et 5 degrés. On peut avoir des baisses de température qui peuvent atteindre même jusqu'à 20 degrés. C'est-à-dire que l'air qui rentre à 20 degrés peut se retrouver à 0 degrés dans votre carburateur, y compris l'eau qu'il contient. Et l'eau à 0 degré, bah, ça fait de la glace. Le givrage, il va dépendre aussi de l'emplacement du carburateur par rapport au moteur. Et là, vous verrez que tous les moteurs ne se comportent pas de la même manière. Les pilotes vous diront que certains appareils ont des problèmes comme ça de givrage très facilement. Hein, le givrage du carburateur, c'est un phénomène très fréquent. Sur d'autres appareils, ils vous diront que c'est un problème qu'ils n'ont pratiquement jamais rencontré, soit vraiment dans des conditions très particulières. Tous les moteurs ne sont pas égaux, tous les appareils ne se comportent pas de la même façon. Ça, c'est un petit détail que je rajoute. Ensuite, on avait parlé des conditions atmosphériques, hein, des conditions extérieures. Alors ce que je vous disais, hein, pour qu'il y ait de l'eau qui se. Enfin, du givre, hein, qui se dépose dans le carburateur, il faut qu'il y ait de l'eau. Hein, et cette eau, elle est apportée par l'air qui contient de la vapeur d'eau. L'air sec contient très peu d'eau, et donc c'est peu propice au givrage du carburateur. Alors la plage de température. Alors là, je parle dans le conduit d'admission. Là, je ne parle pas de conditions extérieures, je parle de ce qui se passe à l'intérieur de votre carburateur. La plage de température la plus propice au givrage, elle est comprise entre 0 et moins 15 degrés, et avec un maximum autour de moins 5 degrés. Comme la température de l'air qui est admis de l'extérieur vers le carburateur peut s'abaisser de 10 à 20 degrés, et ben le givrage, il va bien sûr pouvoir se produire avec des températures extérieures nettement positives. Si vous avez une baisse de 15 degrés, de l'air à 15 degrés, hein, si vous avez une température extérieure de 15 degrés, l'air qui rentre dans votre carburateur va se retrouver à 0 degrés. S'il fait 10 degrés à l'extérieur, vous êtes pile ici dans les moins 5. 10 degrés, c'est très positif quand même. On ne pense pas forcément à un problème de givrage. Donc la plage de température la plus favorable au givrage, elle est comprise entre plus 5 et plus 20 degrés. Et avec une humidité relative, alors ça il faut qu'il y ait de l'humidité, hein. S'il n'y a pas d'humidité ça ne marche pas, puisque s'il n'y a pas d'humidité il n'y a pas d'eau, donc ça ne peut pas givrer, hein. L'air très sec ne peut pas entraîner le givrage, en tout cas c'est très 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 peu probable, mais il faut qu'il y ait une humidité relative de 80% ou plus. Les températures les plus risquées, hein, c'est autour de plus, température extérieure, hein, là je parle de température extérieure, c'est de l'ordre de plus 5 degrés. Alors effectivement, un plus 5 degrés, si vous avez une baisse de 10 à 15 degrés, vous allez vous retrouver ici avec des températures autour de moins 5. Voilà. Donc c'est très risqué. Vous remarquerez que ce sont des températures finalement assez douces. Des températures entre 5 et 20 degrés. Hein, ça reste des températures quand même assez tempérées. Hein, et ce sont des températures que nous rencontrerons très fréquemment
dans nos régions. Alors, on peut avoir ça à l'automne, au printemps, en hiver, voire même en été, hein, le matin. Bon, ça dépend des endroits où vous vous trouvez, mais on peut avoir des températures comme ça assez douces hein, le matin. Si vous décollez assez tôt le matin, il ne fait pas forcément 30 degrés. Hein. Il peut y avoir des températures de l'ordre de 15-20 degrés, c'est pas, même en été, hein, c'est pas impossible. Donc c'est un phénomène qui nous concerne particulièrement, nous, hein, ici en France, dans les régions tempérées, ce sont des températures très très fréquentes. Donc attention. Il faut comprendre que le givrage hein, peut se produire en fait à n'importe quelle température, et y compris à des températures chaudes. C'est-à-dire en plein été, vous pouvez avoir du givrage dans certaines conditions. Dans certaines conditions, attention. Hein. Mais vous pouvez avoir du givrage avec des températures de 30 degrés. Alors, il y a un petit graphique que vous retrouverez dans les manuels de pilotage hein, que je vous ai reproduit ici. Le risque, en fait, il est maximum si vous avez beaucoup d'humidité dans l'air, si l'humidité relative est importante. C'est-à-dire, alors, comment est-ce que vous pouvez savoir ça? Alors, il faut savoir que les bulletins météo, etc., ne vous donnent pas d'informations là-dessus. Par contre, ils vous donnent une information qui vous sera utile, c'est le point de rosée. C'est la température extérieure et le point de rosée. Et en fait, quand le point de rosée... Enfin, plutôt quand la température extérieure est proche du point de rosée, vous êtes dans des conditions d'humidité relative très importantes. Donc, givrage important. Et ici, ce petit graphique, que vous pouvez retrouver ailleurs, hein, mais je vous l'ai reproduit, il vous indique ici en bleu des conditions de givrage sévères, quelles que soient les conditions où vous vous trouvez, hein, au niveau moteur, hein, que vous, même si vous êtes à pleine puissance, ou en régime de croisière, hein, vous pouvez avoir ce phénomène ici de givrage. Hein, le givrage est sévère. Et ça veut dire quoi? Bah, si vous regardez ici, vous avez une température extérieure, par exemple, de 10 degrés, et vous retrouvez ici, vous voyez, un point de rosée de 10 degrés. À chaque fois que vous avez une correspondance entre la température, enfin, assez souvent, et le point de rosée, vous êtes dedans. Vous voyez ici, à 0, vous y êtes, vous êtes dans le bleu. Si votre point de rosée est à 0 degré, vous êtes dedans. Si vous avez ici une température de 10 degrés avec un point de rosée à 10 degrés, vous êtes dedans. Et ça va, je dirais, jusqu'à une quinzaine de degrés. Après, vous avez dans la zone verte ici, c'est un risque de givrage modéré, hein, en quelle que soit la puissance. Mais vous avez un risque de givrage sévère si vous êtes en puissance réduite. Hein, si vous êtes en descente, par exemple, hein, quand vous utilisez le moteur sur des régimes bas, hein, vous êtes au ralenti ou proche du ralenti, ça augmente hein, le risque de givrage. Ici, vous voyez que si vous avez des températures, par exemple, de l'ordre de 20 degrés avec un point de rosée à 20 degrés, bah là, vous êtes également hein, en descente, c'est à risque. Et là, à nouveau, en jaune, hein, vous avez ici un givrage sévère quand vous êtes en descente, un risque de givrage sévère. Et là, si vous regardez, c'est assez intéressant. Vous avez ici, par exemple, hein, des températures extérieures de 30 degrés avec un point de rosée à 20 degrés. Et ben, en descente, hein, le risque de givrage, il est sévère. Donc vous voyez, même en plein été, avec 30 degrés de température extérieure, vous pouvez avoir du givrage si vous êtes au ralenti. Donc il faut être très prudent. Ne jamais oublier également que la température, ça baisse avec l'altitude. Donc quand on vous donne une température au sol, il faut bien comprendre que quand vous montez, bah, vous allez perdre 2 degrés tous les 1000 pieds. Hein, donc si vous montez à 5000 pieds, vous perdez quand même 10 degrés. Ça peut également changer singulièrement la donne. Vous pouvez vous retrouver également dans une ambiance de brouillard, de brume. Hein, il peut y avoir en altitude des phénomènes de brouillard hein, quand la température s'abaisse et donc beaucoup d'humidité. Donc attention, ce que vous avez au sol, c'est pas forcément ce que vous aurez en l'air. Donc ça aussi, il faut connaître un petit peu ces règles, hein, 2 degrés tous les 1000 pieds, c'est le modèle atmosphérique standard hein, qui nous donne ces informations. Je vous rappelle que j'ai fait un tutoriel là-dessus, hein, où j'en parle, c'est un tutoriel théorique. Je sais que mes tutoriels théoriques ne déplacent pas les foules, mais il est important de les connaître. Il faut y aller, il y a énormément d'informations là-dedans qui sont utiles et qui vous permettent d'aborder d'autres questions ensuite. Alors les paramètres moteurs, bah, j'en ai parlé un petit peu au sujet de ce graphique, hein, je vous ai parlé de moteur en descente, quand vous êtes en descente, au ralenti, etc. Bah, en fait, la plage d'utilisation du moteur où le risque de givrage est le plus important, c'est quand les gaz sont réduits. C'est quand vous êtes au ralenti ou quand vous réduisez les gaz. Hein, par exemple, sur notre Cessna, c'est quand vous allez être autour de à moins de 2000 tours. Hein, vous allez être à 1800 tours. Bon, déjà, vous êtes sur des 1800, 1900 tours, vous êtes sur un régime réduit.
il y a un risque de givrage plus important. Alors, quand est-ce que ça se produit? Bah, c'est notamment en descente. En descente, vous réduisez les gaz, plus ou moins, hein, mais vous les réduisez. Ça va être également à l'approche. Et je vous rappelle qu'à l'approche, vous êtes proche du sol. Donc attention, si vous avez un problème quand vous êtes proche du sol, c'est toujours compliqué. Il faut quand même retenir que le givrage du carburateur peut se produire à n'importe quel régime moteur, y compris plein gaz. Si vous êtes dans des conditions de givrage, ici, vous voyez cette zone bleue là, hein, où le risque de givrage est très sévère, ça peut se produire même si vous êtes plein gaz, même à pleine puissance. Hein, donc ne croyez pas que vous êtes à l'abri, forcément, quand vous êtes manette au tableau, il peut quand même, hein, le risque de givrage existe quand même. Alors comment reconnaître le givrage du carburateur, hein, comment reconnaître ce phénomène? Et ben, en fait, ça va affecter le fonctionnement du moteur, hein, tout simplement. Et il y a des signes avant-coureurs qui sont tout à fait reconnaissables, et il faut savoir les reconnaître et y être attentif. Alors, si vous êtes équipé, comme avec notre Cessna ou nos petits Piper I640, avec une hélice à cadrage fixe, les paramètres moteurs, hein, vous savez, ça se suit avec le tachymètre, avec le compte-tour. Donc toute baisse de régime du moteur comme ça, inexpliquée, doit vous mener, hein, à soupçonner un phénomène de givrage, notamment si les conditions sont favorables, c'est-à-dire régime ralenti, température plutôt fraîche, hein, et de l'humidité. D'accord? Alors, baisse du régime moteur sans raison, bah, ça veut dire que vous volez par exemple en croisière, hein, et puis d'un coup, bah, vous perdez des tours, vous perdez de la vitesse. Ça, c'est des signes, hein, c'est des signes avant-coureurs. Donc il faut être très prudent à ça, il faut être très attentif à ça. Évidemment que si vous prenez de l'altitude, c'est normal que vous perdiez des tours. Hein, si vous montez, hein, si vous êtes en montée, vous allez perdre des tours. Si vous réduisez les gardes, vous allez perdre des tours aussi. Il s'agit d'une perte de régime moteur alors que vous n'êtes pas intervenu sur les commandes, que voilà, hein, vous ne faites rien de particulier, puis d'un coup, vous voyez que vous perdez un peu de puissance moteur. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est le compte-tour qui vous l'indiquera. Avec une hélice à calage variable, je vous rappelle qu'on utilise un autre paramètre, hein, pour estimer le fonctionnement du moteur, c'est la pression d'admission. Donc avec une hélice à calage variable, c'est la pression d'admission qu'il faudra surveiller. Donc toute baisse inexpliquée de la pression d'admission doit vous amener, pareil, hein, à suspecter un givrage du carburateur. Le régime moteur ne sera pas affecté parce que vous avez le régulateur d'hélice qui va maintenir la vitesse de rotation. Donc c'est pas là pour ce type d'hélice, le tachymètre n'est pas l'instrument qu'il faut surveiller. C'est pas le bon instrument. C'est vraiment la pression d'admission. C'est ça qui doit être surveillé, et c'est ça qui vous donnera la qui doit vous mettre la puce à l'oreille. D'accord? Dans tous les cas, une baisse de performance, une baisse de vitesse, etc., inexpliquée, doit vous amener, hein, à suspecter également un givrage du carburateur, et donc il faudra également surveiller le badin, ce qui vous donne la vitesse, hein, l'anémomètre qui vous donne la vitesse. Voilà. Ça sur tous les types d'appareils, que ce soit une hélice à calage fixe ou variable, hein, si vous perdez de la vitesse, c'est que probablement vous perdez de la puissance moteur. En montée, vous pouvez également avoir une baisse du taux de montée. Si vous n'arrivez pas à monter, hein, c'est un taux de montée qui s'effondre sans raison. Là aussi, ça peut laisser suspecter une perte de puissance moteur. Hein, donc il faut aller regarder le variomètre, hein, qui vous indique si votre taux de montée, vous étiez, je sais pas, à 800 pieds minute, puis vous vous retrouvez à 300 pieds. Bon, ça doit quand même vous interroger. Et là aussi, bah, il faut aller regarder du côté des instruments moteurs, hein, tachymètre, pression d'admission, voir s'il se passe quelque chose. Dans un second temps, vous pouvez avoir, et ça commence à être un petit peu plus embêtant, hein, des ratés. Votre moteur peut commencer à tourner, hein, vous allez entendre que votre moteur ne tourne plus très rond, c'est que la situation est en train de s'aggraver. Au sol, hein, si vous avez des conditions extérieures qui sont propices au givrage, vous pouvez avoir un moteur qui cale au ralenti. De manière inexplicable, vous allez caler au ralenti quand vous êtes au parking, hein, ou à un point d'arrêt, au seuil de piste par exemple. Ça doit vous laisser également, hein, penser à un givrage carburateur. Alors au sol, c'est pas grave, hein, voilà, hein, au sol, ça peut arriver. Bah, en général, il vaut mieux renoncer à son vol. Hein. Quand ça vous arrive en l'air, c'est plus compliqué, évidemment. Et bien sûr, hein, le signe ultime, c'est l'arrêt moteur. Votre moteur cale quand vous êtes en plein vol.
Ça, c'est un signe de givrage, hein, mais là, c'est trop tard. Là, c'est foutu. Donc, évidemment, hein, il faut s'en inquiéter bien avant, le plus tôt possible. Alors, comment prévenir le givrage? Bah, il faut être attentif à tous ces signes, hein, que je vous ai cités. Il faut connaître son appareil et appliquer les procédures. Hein, suivant les appareils, je vous ai dit que tous les appareils ne présentaient pas les mêmes risques, hein, ne se comportaient pas là de la même façon. Et il y a des procédures, hein, du constructeur qu'il faudra appliquer. Il faut bien sûr effectuer des essais moteurs au parking selon les recommandations prévues par le constructeur, hein, suivant les checklists qui sont établies. En vol, il faut rester attentif, hein, dès que les signes de givrage se manifestent, perte de puissance, raté, etc. Il faut y penser et engager donc les moyens de lutte, hein, contre ce givrage carburateur. On verra ça un peu plus loin. Je vous dis, mieux vaut prévenir que guérir. D'accord. Sur certains avions, vous avez également une sonde de température, ce qui peut vous donner une indication de la température dans le carburateur. Ben, ça, c'est bien pratique. Il faudra consulter la météo. Ah, la météo. Alors, la météo, oui, ça fait partie des choses qu'il faut absolument consulter avant de voler, hein. Alors, pour différentes raisons, mais aussi pour cette raison-là, on va regarder la température et l'humidité, donc là, les points de rosée, hein. Vous voyez que vous commencez à comprendre l'utilité du point de rosée. Parce que c'est vrai que parfois on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il nous donne cette information-là? Bah, si la température extérieure est proche du point de rosée, les risques de givrage sont très importants. Et vous pouvez également prévoir en fonction de l'altitude. Si par exemple vous avez une température au sol de 10 degrés et un point de rosée à 3 degrés, vous pouvez vous dire, bon, ok, bon, là, il n'y a pas de gros risque. Mais par contre, si vous allez voler, par exemple, à 8000 pieds, vous perdez 2 degrés tous les métiers, vous allez perdre 16 degrés. Et là, vous allez vous retrouver dans des conditions où la température, quand vous serez à 8 métiers, sera très proche du point de rosée. Donc, attention, à 8000 pieds, les risques de givrage seront importants. Même en régime de croisière. Même en régime de croisière. Il faut utiliser donc un dispositif qui s'appelle, hein, le réchauffage du carburateur. En anglais, on parle de carb heat. Alors, la réchauffe carbu, comment ça fonctionne? Alors, ici, je vais quand même vous montrer sur notre appareil. On va enlever la pause. Hop, c'est un appareil évidemment à carburateur, sinon c'est pas drôle. Et vous avez ici, vous voyez, hein, voilà, près de la manette, alors, c'est notre PA 140, hein, il est un petit peu particulier. Vous avez ici la mixture, ici, hein, la manette de mélange qui est un petit peu décalée. L'appareil est assez rustique, hein. J'aime bien cet appareil. Vous avez les magnétos, et là vous avez la manette de gaz, hein, que vous reconnaissez ici. Et là vous avez ici, vous voyez cette manette, hein, Carb Heat. Hein, voilà. Quand elle est poussée au tableau, elle est coupée, elle n'est pas mise. Quand vous tirez la manette, elle fonctionne. D'accord? Ça c'est important. Voilà, là elle est mise, là elle est coupée. Là elle est mise, là elle est coupée. D'accord? Vous avez une touche qui permet de le faire. Alors, vous pouvez le faire ici à la souris. C'est comme souvent, c'est pas très pratique, hein, ces trucs-là. Donc, c'est bien d'affecter une touche. Sous X-Plane, c'est pas là, c'est là. Voilà. Hein. Réchauffe carbu on-off, c'est la touche. Je crois que par défaut, c'est F11. Vous pouvez affecter une autre touche, mais la touche F11. Hein, permet ici, hein, vous voyez, par défaut, de mettre ou de couper. C'est une touche bascule, c'est assez pratique, hein, de mettre ou de couper ici cette réchauffe carbu. Voilà, hein, juste pour vous montrer. Sur le Cessna 172, ne la cherchez pas, elle ne s'y trouve pas. La Minard ne l'a pas mise. Je crois que le Cessna 172, il doit en être équipé normalement, hein, le vrai appareil. Mais là, malheureusement, chez la Minard, sur le Cessna, alors Cessna n'en est pas équipé, donc ne la cherchez pas. Et vous n'aurez donc jamais de problème de givrage de carburateur, mais c'est peu réaliste. Un appareil comme celui-là est plus réaliste, et là, vous pouvez avoir, hein, ce type de problème. Je vous ai ici pondu, hein, j'ai été vous récupérer un petit schéma, hein. Voilà, vous avez le carburateur et vous avez ici une entrée d'air, l'air frais filtré. Hein. Vous avez ici le filtre à air et donc voilà, l'air passe comme ça. Ça, c'est la situation normale. La réchauffe carbu, elle est coupée. Votre manette, elle est au tableau. Et vous avez ici un petit volet, hein, qui est commandé justement par la réchauffe carbu qui permet de chinter, en fait, ici, hein, cette arrivée d'air. Et donc, quand vous tirez la manette,
vers vous et que vous enclenchez la réchauffe carbu, qu'est-ce qui se passe? Et bien vous avez ici de l'air réchauffé qui arrive dans le carburateur, ce qui permet bien sûr, en faisant rentrer de l'air plus chaud dans le carburateur, de lutter contre le phénomène de givrage. Alors comment est-ce qu'on peut obtenir de l'air chaud? En fait on fait passer de l'air. Alors dans le fonctionnement normal, hein, voilà, c'est de l'air frais filtré qui alimente le circuit d'admission, hein, donc voilà, quand tout va bien. Quand vous enclenchez la réchauffe carbu, vous tirez la manette, c'est de l'air qu'on fait passer autour du circuit d'échappement. Hein. Parce que vous savez, hein, le circuit, le pot d'échappement, hein, les conduites d'échappement sont très chaudes, hein, l'air qui est éjecté, qui est brûlé, est très chaud. Et donc, on fait passer de l'air autour de ce circuit d'échappement pour le réchauffer, et ensuite, il est récupéré et orienté dans le système d'admission ici. Hein, et donc, il va alimenter ici, hein, le carburateur en air. Alors attention, il ne s'agit pas d'une dérivation des gaz d'échappement, qu'il n'y ait pas de confusion. Hein. On ne réintroduit pas dans le moteur des gaz qui ont été brûlés. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Hein. Les gaz brûlés sont éjectés, mais on met de l'air extérieur, froid, en contact avec le circuit d'échappement. Il va se réchauffer au contact des pipes d'échappement, et donc c'est cet air réchauffé qui va être ensuite introduit dans le moteur. La réchauffe carbu, ce n'est pas un système de dégivrage, c'est un système d'anti-givrage. Il est préventif. Il doit donc être utilisé à titre préventif. En curatif, ça ne marche pas ou assez mal. Comment l'utiliser? Suivant les recommandations du manuel de l'avion et selon les conditions de vol. Hein. Et aussi, ça c'est très important, selon la règle du tout ou rien. Alors, selon la règle du tout ou rien, ça veut dire quoi? Et bien, si on reprend ici notre appareil, vous la mettez, vous la coupez. Vous faites pas un espèce de truc comme ça où tiens je vais tirer à moitié ou trois quarts, deux quarts, un tiers, est-ce que c'est bon? Et est-ce que un chouïa plus en avant ou en arrière? Non, c'est tout ou rien. C'est 0 ou 1, c'est binaire, hein, d'accord? C'est pas la manette de richesse, hein, où on est en train de bidouiller, ou la manette de gaz, où on est là, on ajuste. Non, là c'est tout ou rien. Vous la mettez ou vous la coupez. C'est comme ça que ça doit être utilisé. Première règle importante. C'est un système préventif, donc il doit être enclenché avant que les problèmes ne se produisent, ou en tout cas le plus tôt possible. Donc dès que vous avez des signes de givrage ou vous suspectez des signes de givrage, il faut absolument l'engager. Quand le carburateur il est transformé en cornet glacé, hein, en banana split, c'est trop tard, c'est foutu. Donc vous devez également utiliser cette réchauffe carbu de manière préventive quand vous estimez que les conditions de givrage sont réunies, à savoir régime moteur réduit, descente, approche, et quand vous avez des conditions météorologiques favorables. Donc de l'humidité, de la fraîcheur, en tout cas des températures proches du point de rosée. Je vais mettre ça en pause. Voilà. Alors, peut-être vous allez me dire, finalement, pourquoi s'embêter avec ça? Il n'y a qu'à la mettre tout le temps, et puis on est tranquille. La réchauffe carbu, on la met tout le temps, et puis comme ça, si ça givre, et puis si ça givre pas, après tout, ça ne peut pas faire de mal. Alors ça, c'est une excellente idée, mais comme toutes les excellentes idées, il y a d'autres avant vous qui ont eu cette excellente idée. Et généralement, si on ne l'applique pas, c'est que cette excellente idée, c'est en fait une très mauvaise idée. Voilà, on va voir pourquoi. Il y a des raisons, effectivement. La réchauffe carbu, elle doit être utilisée à bon escient et uniquement quand c'est nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire ou si elle est mal utilisée, elle peut produire l'effet inverse. Alors, en fait, le premier inconvénient, c'est que vous introduisez de l'air non filtré. On l'a vu sur notre petit schéma ici. Hein. En temps normal, l'air est filtré. Quand vous prélevez ici de l'air autour du circuit d'échappement, hein, et que vous l'introduisez dans le carburateur, c'est l'air qui ne passe plus. Vous voyez, il ne passe plus. On chante ici, hein, le circuit classique, et donc c'est l'air qui n'est pas filtré. Donc vous risquez d'introduire des impuretés dans le circuit d'admission et dans le moteur. Terre, sable, débris, insectes, ce que vous voulez, voilà. Notamment au sol. Hein, donc attention, ça c'est un inconvénient. On introduit également de l'air plus chaud. L'air plus chaud est moins dense. Et donc à la place de l'air froid,
dans le circuit d'admission, vous remplacez cet air froid qui est plus dense par de l'air chaud qui est moins dense. Donc vous appauvrissez en oxygène, hein, vous mettez moins d'oxygène, vous mettez moins d'air dans votre mélange. Ça revient en fait à enrichir le mélange. Si vous avez moins d'air, la proportion air-carburant se trouve modifiée, donc vous enrichissez le mélange en carburant. Et il y a également moins d'oxygène disponible pour la combustion du carburant. Et ça va provoquer une perte de la puissance moteur. Alors une perte qui n'est pas forcément énorme, mais vous perdez de la puissance moteur. Sur certains appareils, ça peut être compliqué. En raison de l'augmentation de la température de l'air dans le circuit d'admission, il y a également un risque de détonation lors de la combustion, hein, donc un phénomène assez violent, qui n'est pas bon du tout pour les moteurs, hein, ça peut entraîner des casse moteurs. Et ça, ça se produit généralement à des régimes moteurs élevés. Quand vous êtes plein pot, si vous enclenchez la réchauffe carbu et que vous envoyez de l'air chaud dans le carburateur, ça peut provoquer ce phénomène. Donc attention, on va voir ça plus loin, mais donc attention à ne pas utiliser normalement la réchauffe carbu quand vous êtes à pleine puissance ou quand vous êtes sur des régimes élevés, c'est pas conseillé. Ici, on va regarder, on va enlever la pause. Vous voyez que, alors je vous rappelle, hein, voilà, on engage, on coupe. Vous allez regarder, alors ici on va monter un petit peu notre régime moteur, on va le mettre à 2000 tours, à peu près. Voilà. Hop, le compte tour ici. Bah, je vais, alors vous regardez, vous voyez, on est à 2000, hein, je vais enclencher la réchauffe carbu. Vous voyez, on perd un peu en puissance. Là, je la coupe, là, je la mets, vous voyez, on perd. Donc ça, bon, ça en vol, hein, bon, ça peut se produire. On perd un peu de puissance, donc il faut en tenir compte. C'est aussi une manière de s'assurer que la réchauffe carbu fonctionne. Quand vous faites vos essais moteurs, voilà, vous faites ça, ça veut dire que ça fonctionne. Ok, voilà, ça fait partie des essais moteurs. Voilà, on revient au ralenti. Voilà, par exemple ici à 1000 tours. Alors à 1000 tours, ça devrait moins se sentir, hein, normalement. Là, à 1000 tours, je la mets, vous voyez, ça bouge un petit peu, mais très peu. Hein. Mais par contre, quand on est sur des régimes moteurs plus importants, la perte de puissance est plus importante. Donc, perte de puissance, bah, on n'aime pas tellement perdre de la puissance moteur. Hein. On aime bien avoir toute la puissance disponible. Alors, quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Bah, il faut déjà se reporter au manuel de l'avion. Il faut respecter les consignes du constructeur. Il faudra l'utiliser quand les risques de givrage sont élevés ou très élevés, hein. Alors, notamment quand vous avez des températures extérieures proches du point de rosée, avec un taux d'humidité relatif important. Et aussi quand vous utilisez le moteur à faible puissance. Vous devez l'utiliser dès que vous suspectez un début de givrage du carburateur. Baisse de puissance, baisse de la pression d'admission, raté, etc. Calage du moteur au parking aussi, ça doit attirer votre attention. En descente, à l'approche, parce qu'on est sur des régimes moteurs réduits. D'accord. Donc il faut l'enclencher en prévention, environ une minute avant la réduction des gaz. Il ne faut pas oublier que quand vous réduisez les gaz, ça va entraîner une chute de température dans le carburateur, forcément, et également, et ça on n'y pense pas forcément, une baisse de température des gaz d'échappement. Or l'air, quand vous le réchauffez, quand vous enclenchez la réchauffe carbu, vous réchauffez l'air au niveau des circuits d'échappement. Donc l'air que vous envoyez, quand vous avez des gaz réduits, hein, l'air que vous envoyez il est moins réchauffé. Donc ça aussi, vous perdez un petit peu en efficacité. Donc on engage toujours la réchauffe carbu avant normalement la réduction des gaz. En croisière, vous pouvez avoir du givrage. Hein, si les conditions de givrage sont sévères, ça peut se produire. Donc vous pouvez, hein, l'utiliser en régime de croisière. D'accord. D'ailleurs, hein, si vous êtes dans des conditions météo qui vous laissent craindre la survenue d'un phénomène de givrage, on vous conseillera de temps en temps, hein, régulièrement au cours du vol, d'engager la réchauffe carbu pendant 10, 15, 20 secondes et de surveiller
les tours. Normalement, si la réchauffe carbu entraîne, quand vous enclenchez la réchauffe carbu, vous devez avoir une petite perte de régime. Si quand vous l'enclenchez, au bout de 10, 15, 20 secondes, vous avez plutôt une augmentation des tours, c'est que vous aviez probablement du givrage. Un petit peu de givre dans le carburateur, le givre est en train de se former. Donc ça, ça doit vous pareil, attirer votre attention. C'est une précaution, hein, normalement, qu'on doit faire au cours du vol, si on vole dans des conditions qui laissent suspecter hein, le phénomène de givrage. D'accord. Ça fait partie de ce que le pilote doit faire de temps en temps, hein, régulièrement, tout au cours du vol. Comme il doit surveiller ses instruments, il doit surveiller les températures, la pression d'huile, etc. Hein, voilà, ça fait partie des petites choses. On enclenche, hein, on tire la carbu pendant un petit moment, puis on regarde, hein, on regarde du côté du tachymètre, hein, du contour ou de la pression d'admission, comment ça se comporte. Normalement, ça doit baisser. Si ça monte, problème. Quand ne pas utiliser la réchauffe carbu? Alors, parce que oui, justement. Hein, alors, normalement, au sol. Sauf pour les essais moteurs, hein, quand vous êtes au parking, hein, bon, voilà, vous pouvez l'utiliser comme ça, hein, mais pour faire vos essais. Mais sinon, au sol, il ne faut pas l'utiliser, notamment au roulage et au décollage. Pourquoi? Bah, d'abord, en raison des impuretés. Hein. Vous avez vu, l'air quand vous tirez la réchauffe carbu, l'air n'est pas filtré. Hein, vous introduisez de l'air non filtré dans le moteur, et qui peut contenir donc des débris, des saloperies, etc. Donc ça peut venir endommager hein, l'intérieur du moteur, ça peut entraîner une usure, des pannes, etc. Donc pas au sol, normalement. Au décollage, bah, en raison de ce problème d'air qui n'est pas filtré, mais également en raison de la perte de puissance. Vous perdez de la puissance, donc ça c'est pas vraiment recommandé, hein, au décollage on a besoin de toute la puissance, mais également parce que vous allez être plein gaz, vous êtes plein pot. Vous êtes généralement au décollage, on met toute la gomme. Et ce qui peut se produire, bah, c'est des détonations. On a vu que le fait d'introduire dans le circuit d'admission de l'air chaud, quand vous êtes à des régimes moteurs élevés, vous pouvez avoir des problèmes de détonation. Et ça, c'est pas recommandé. Hein, ça peut entraîner des casses moteurs, hein, ça peut être assez sérieux. Mais vous perdez, paradoxalement, vous perdez également en puissance moteur. En montée, normalement, on ne l'utilise pas non plus pour les mêmes raisons, parce qu'en montée, vous êtes plein pot, ou en tout cas sur des régimes moteurs très élevés. Donc là aussi, normalement, ce n'est pas recommandé, sauf si vraiment vous avez des risques de givrage extrêmement sévères. Et là, il faut se reporter à notre petit diagramme avec les couleurs, le bleu, le jaune, le vert, etc. Hein. Mais donc vraiment, normalement, jamais au décollage, jamais au sol, en montée, avec beaucoup de prudence, dans des conditions très particulières. Hein. Ça s'utilise plutôt en descente, éventuellement en croisière. Retenez ça surtout. Ne pas oublier que le risque de givrage, il est plus important aux températures courantes. Entre 5 et 20 degrés à peu près, donc des températures relativement douces qu'on rencontre assez fréquemment dans nos régions. Il est plus faible aux températures extrêmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne se produit pas, hein, mais c'est plus faible aux températures extrêmes. Bizarrement, hein, des conditions très froides en hiver, hein, par exemple, je sais pas, des moins 15, des moins 20. Alors dans nos régions, c'est plutôt pas fréquent, hein, c'est assez rare, mais si vous volez, par exemple, dans le Grand Nord canadien, en Sibérie, je ne sais où, voilà, on pourrait imaginer qu'avec des températures de moins 15, moins 20, le risque de givrage, on se dit, oulala, bah, en fait, non, l'air est très sec. Hein, donc normalement, non. Dans des conditions très chaudes, hein, alors si vous volez en plein désert, je ne sais pas où, en Arabie Saoudite, qui fait 45 degrés, l'air il est chaud et très sec, a priori pas de givrage, d'accord. S'il n'y a pas d'eau et s'il fait très chaud, ça ne givre pas. S'il fait très froid mais qu'il n'y a pas d'eau non plus dans l'air, hein, qu'il y a très très peu d'humidité, ça ne givrera pas non plus. Attention à ne pas l'engager à tort et à travers, hein, parce que parfois si vous êtes dans des températures, par exemple, du style moins 15, et vous vous dites, ah, moins 15, peut-être y avoir du... Hein, il fait c'est froid, je vais engager la réchauffe carbu. À moins 15, ou à moins 20 par exemple, à moins 20, normalement, vous n'êtes plus dans la plage de givrage. Normalement, ça ne doit pas poser de problème. Alors, pas forcément au sol, mais quand vous allez monter, hein, vous pouvez très bien trouver des températures beaucoup plus froides. Si c'est l'hiver, que vous êtes au sol, qui fait moins 5, et puis que vous montez, et que vous vous retrouvez à moins 20 degrés, ça peut arriver en hiver, vous pouvez vous dire, je vais me retrouver autour de moins 20 degrés, ah, moins 20 degrés, c'est très froid. Bah, qu'est-ce qui se passe si vous vous engagez dans la réchauffe carbu, et que vous réchauffez de 15 degrés l'air qui rentre, votre air, s'il est à moins 20, vous le réchauffez de 15 degrés, il va se retrouver à moins 5. Et là, bizarrement, vous allez vous retrouver dans la plage
pile dans la plage où le risque est maximal. Je vous rappelle que les températures, le risque de givrage dans le carburateur, c'est à moins 5 degrés. Hein. C'est là que c'est le plus élevé. Donc en engageant dans une situation comme ça, en engageant la réchauffe carbu, bizarrement, vous allez vous retrouver dans une situation qui est plus favorable au givrage du carburateur que si vous la coupiez. Hein, bizarrement, la réchauffe carbu là, aura l'effet inverse. Et ça, c'est le pilote qui décide, c'est une faute du pilote. Je suis désolé, hein, mais c'est une faute du pilote. L'engager à moins 20, normalement, ça ne devrait pas se faire. D'accord ? Parce que vous n'êtes plus dans les plages hein, de température où le givrage va se produire. Par contre, enclencher la réchauffe carbu à ce moment-là, c'est commettre une faute parce que vous allez vous retrouver exactement dans la situation dans laquelle vous ne vouliez pas vous retrouver. Donc ça s'utilise vraiment avec discernement et il faut bien comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Hein. Soyez très prudent là-dessus. Le risque de givrage, allez, on revient à notre truc. Le risque de givrage, il est sévère si l'air est très humide. Plus de 80% d'humidité relative, donc quand on est proche du point de rosée. Donc écoutez bien les métards. Consultez bien les métards, consultez la TIS, c'est important. Vous pouvez consulter également des cartes, hein, mais déjà vous avez cette information normalement toujours dans la TIS. Le risque de givrage est très faible si l'air est sec, hein, on l'a vu. Donc air très froid en hiver, mais air très chaud et sec hein, en été, par exemple, ou dans certaines parties du monde. Si vous volez en plein désert, hein, voilà, hein, bon, il n'y a pas de problème. Le risque de givrage, il existe il peut exister à des températures élevées hein, si vous avez de l'humidité, et notamment en descente. Donc, comme on l'a vu, hein, ça peut givrer en descente à 30 degrés hein, en été, ça peut givrer si vous avez des conditions humides. Hein. Sachez aussi que dans certaines régions du monde, il y a plus d'humidité hein, si vous volez dans des zones plus humides qu'en France. Hein, ça peut poser problème, il faut en tenir compte. Retenir hein, que là aussi le risque de givrage, bien se souvenir que c'est plus important quand vous êtes en descente, quand vous êtes à l'approche, quand vous êtes sur des régimes moteurs réduits. Quand vous faites un tour de piste, quand vous arrivez en base, que vous descendez, vous êtes plutôt à régime moteur réduit, quand vous allez également arriver en finale, voilà. Donc il faut, ça fait partie normalement des protocoles, hein, des procédures, vous devez engager la réchauffe carbu. Généralement, avant la réduction des gaz, quand vous êtes en début de vent arrière. En général, c'est là que ça s'engage. Éventuellement, en fin de montée, si les conditions sont propices au givrage carbu. Ça peut s'enclencher un peu plus tôt. Mais toujours avant la réduction des gaz. À noter que parfois, on rapporte des accidents sur certains appareils, dans certaines conditions, où justement on enclenche la réchauffe carbu dans des conditions qui ne sont pas forcément indiquées. Alors c'est vrai que parfois il faut réfléchir. Ça peut entraîner parfois des accidents parce que vous avez une baisse sur des petits moteurs, hein, sur des petits appareils, ça entraîne une baisse de la puissance moteur. Alors quand vous avez un moteur qui est assez puissant, c'est pas vraiment très compliqué. Sur des moteurs, parfois, quand vous êtes dans des situations un petit peu limites, avec des moteurs assez peu performants, hein, des moteurs assez peu puissants, la réchauffe carbu peut des fois provoquer des accidents. Hein, donc c'est arrivé avec des tout petits appareils. Donc attention. Je continue dans mes petites remarques. Le risque de girage existe à tous les régimes moteurs, même si à certains régimes moteurs, il est plus faible. Hein, mais même plein pot, ça peut se produire. Voilà. On doit procéder à des essais moteurs donc avant le décollage, et il faut tester cette réchauffe carbu. Et normalement, hein, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, vous devez avoir une perte immédiate de puissance. Que ce soit sur le tachymètre ou sur la pression d'admission, si c'est un appareil avec une hélice à calage variable. Il faut maintenir cette réchauffe carbu. Alors ça, ce qu'il faut faire, hop, ici, voilà, on va monter nos gaz, on va se remettre autour de 2000 tours, on va refaire un petit essai. Voilà. On engage la réchauffe carbu, hop, ça descend, ça fonctionne, on est content. Eh ben, c'est pas tellement comme ça qu'il faut faire. Normalement, il faut l'engager ici et la laisser environ une quinzaine de secondes. Il faut prendre un peu son temps, on n'est pas pressé. On est au sol, hein, il y a le temps. Et s'assurer que ça ne remonte pas. Parce que si vous engagez la réchauffe carbu, que ça descend, c'est normal, mais qu'au bout d'un petit laps de temps, l'aiguille ici remonte,
ça veut dire que très probablement vous aviez un début de givrage. Donc ça, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Donc soyez très attentifs à ça. Elle s'utilise comme ça, hein. Il faut pas, c'est pas juste j'ai la main, j'ai l'enlève, il faut l'enclencher, regarder le tachymètre ou la pression d'admission et la maintenir suffisamment longtemps pour voir si tout va bien. D'accord. Si vous reprenez des tours ou si vous reprenez de la pression d'admission au bout d'un certain laps de temps, c'est que probablement vous aviez un début de givrage et prudence. Parfois il faut renoncer à un vol. Hein. D'accord. C'est plus sage. La réchauffe carbu, c'est préventif, donc ça doit être enclenché avant ou le plus tôt possible. D'accord. Quand votre carbu est plein de glace, c'est trop tard. Elle n'agit pas immédiatement. S'il y a du givre qui a commencé à s'accumuler, bah, ça peut prendre du temps, donc il faut la laisser. Hein. Si vous enclenchez, que vous soupçonnez quelque chose, une petite perte de puissance moteur, vous enclenchez la réchauffe carbu, puis au bout d'une seconde, deux secondes, trois secondes, ça ne marche pas. Il ne faut pas vous dire « ah ben non, ça ne marche pas, c'est autre chose ». Il faut la laisser en place un certain temps pour en ressentir les effets. Ça peut prendre quelques minutes, donc il faut insister. La réchauffe carbu, elle peut être inefficace ou insuffisante. Alors si vous avez par exemple des conditions de givrage très sévères, voilà. Alors, si c'est au parking, hein, que vous avez un moteur qui cale, quelque chose qui ne va pas, vous enclencher la réchauffe carbu, puis votre moteur continue toujours un peu à ratatouiller, bah, vous ne volez pas, hein, vous restez au sol. Le plus simple, c'est de ne pas décoller. Parce qu'en l'air, ça ne va certainement pas s'arranger. D'accord ? C'est, voilà. Si vous êtes en vol, voilà, vous décollez, ça se passe pas trop mal, puis vous vous rendez compte assez rapidement que votre moteur tourne pas très rond, vous engagez la réchauffe carbu et que c'est inefficace, hein, ou que ça vous paraît pas très efficace, que votre moteur continue à pas tourner très rond, il va falloir se poser très rapidement parce que bah, le risque est quand même très important. Autre remarque. Ne pas confondre le givrage carbu et le givrage tout court. Le givrage tout court, je vous en ai parlé, c'est un phénomène extérieur. C'est de la glace qui va s'accumuler ou du givre qui va s'accumuler sur les parties extérieures de l'appareil, les bords d'attaque des ailes, hein, sur les gouvernes, sur les parties vitrées de l'appareil, sur les hélices, sur les entrées d'air moteur, etc. Hein, toutes les parties, les antennes, toutes les parties exposées, les plus exposées. Et ça, c'est très grave. Hein, mais ça, c'est un phénomène extérieur. C'est pas un phénomène dans le moteur, c'est un phénomène extérieur qui peut se produire sur tous les avions. Alors là, du plus petit appareil aux appareils les plus gros, hein, tous les appareils craignent le givrage. Certains appareils sont équipés hein, de systèmes d'anti-givrage ou de dégivrage. Les appareils les plus modestes, en général, n'en sont pas équipés. Hein, donc quand on est en conditions givrantes, et là je parle de conditions givrantes extérieures, hein, bah, on ne vole pas, hein. On évite de voler. Les conditions météo sont dans lesquelles au cours desquelles le givrage va se produire n'est pas le même que celui du givrage carbu. Le givrage, tout court, hein, il se produit généralement dans des conditions proches du 0 degré. C'est la raison pour laquelle certaines cartes aériennes vous donnent ce qu'on appelle les isothermes 0 degré. Le givrage carbu, lui, peut se produire, on l'a vu en plein été, hein, avec 20 degrés, 25 degrés, 30 degrés, vous pouvez avoir du givrage carbu dans certaines conditions. Le givrage tout court, quand il fait 30 degrés, normalement il ne se produit pas. Ou alors il y a un problème. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont deux phénomènes qui sont tout aussi redoutables l'un que l'autre, hein, mais qui ne concernent pas le givrage carbu, ça concerne que les appareils équipés d'un carburateur. Le givrage tout court concerne tous les appareils, et ça ne se produit pas du tout de la même manière, ça n'a pas les mêmes conséquences, et on ne lutte pas de la même manière hein, contre le givrage, enfin contre ces deux phénomènes. Hein. Chaque phénomène à des dispositifs hein, de prévention qui sont différents et qui doivent utiliser de manière différente. Donc, ce sont deux choses totalement différentes. Surtout, ne confondez pas les deux. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Hein. Déjà, quand vous aurez compris ça, eh bien, vous saurez peut-être pas tout sur le givrage carbu, mais enfin, vous en saurez déjà plus que nécessaire hein, pour pouvoir voler. Encore une fois, quand vous utilisez le Cessna de Laminar, vous ne vous en souciez pas parce que ça n'a pas été prévu dans cet avion. Laminar n'a pas mis de manette. Par contre, si vous achetez par exemple un site 172 vous intéresse et vous achetez le Cessna 172 d'un autre fournisseur, comme je crois que je ne sais plus lesquels, mais enfin il y en a un ou deux hein, qui sont disponibles sur le marché.
qui sont pas mal, paraît-il. Ils sont normalement équipés hein, de cette manette, ou si vous utilisez comme moi des petits appareils comme ça, un peu rustiques, avec des moteurs à piston classiques, hein, vous trouverez cette petite manette, hein, généralement planquée comme ça. Généralement, c'est proche, hein, c'est plus ou moins proche ici de la manette de richesse ou de la manette de gaz. Parfois, c'est situé de l'autre côté, mais généralement, ça se situe comme ça en bas. Et encore une fois, hein, c'est tout ou rien. D'accord ? Voilà. Donc n'hésitez pas à l'utiliser quand c'est nécessaire. Et dès que vous verrez hein, un petit bandeau hein, qui va s'afficher ici, hein, en général, sur votre écran, ça, X-Plane hein, vous avertit hein, quand il y a des conditions givrantes potentielles hein, pour le carburateur. Hein, il vous dira que voilà, on soupçonne un givrage carburateur, donc enclencher la réchauffe carbure. Il vous dira de le faire. Donc ça, c'est une aide quand même assez utile. Donc bah, vous cherchez cette manette hein, sur votre avion et bien sûr vous l'enclenchez comme ceci. Voilà ce que j'avais à vous dire hein, sur ce phénomène important. J'espère que ça vous aura aidé et appris plein de choses intéressantes. Et donc que vous pourrez comme ça peut-être voler sur d'autres appareils hein, de manière un peu plus réaliste parce qu'il y a des appareils comme ça qui sont vraiment très très agréables à piloter, qui sont très sympas à piloter puis qui changent un petit peu du Cessna parce qu'avec le Cessna au bout d'un moment on a un peu l'indigestion. Voilà, je vais vous laisser là, hein, je vais vous quitter, éventuellement bah, peut-être vous allez entamer un vol avec un appareil comme celui-ci et vous allez peut-être tester hein, ici votre réchauffe carbu cette saison hein, on est en automne, l'hiver approche à grands pas et donc bah, vous allez peut-être pouvoir tester cette réchauffe carbu en plein vol sur des descentes etc. Et vous allez peut-être mieux l'utiliser hein, voilà. Enfin, j'espère, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et pour votre immense attention et j'espère à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.